Hein? Quoi? Moi, à la bourre? Non, même pas vrai. Je suis la définition même de la ponctualité. Et salut, salut les petits lapinous! Oh mon Dieu, la gueule que je me paye. Comment ça va bien? Oh, en fait, j'ai plein de boutons de ce côté, je sais pas pourquoi. Et ça tombe sur le côté où je lis l'écran, c'est moche. Comment vous allez bien sinon? On s'en fout en vrai de ma face. Ouais, on s'en fout pas vraiment parce qu'elle fait peur. Mais on s'en fout un petit peu quand même. Ça fait bizarre de me voir pas maquillée. J'ai pris l'habitude du coup de me voir maquillée. Et là, ça fait bizarre, mais genre de la merde. Hein. En fait, j'ai pas envie de perdre du temps à me maquiller en stream. Déjà, j'ai perdu assez de temps comme ça. Après, techniquement, j'ai pas réellement perdu de temps. Je m'explique. Parce que là, je suis en train de partir. Je suis pas claire. Donc, je me maquillerai tout à l'heure avant d'aller partir travailler parce que j'ai pas envie de perdre du temps étant donné que c'est déjà 9h30. Certes, hier, à la fin du stream d'hier après-midi, ouais, j'ai streamé hier après-midi, c'est vrai. Je vous ai dit, on stream demain matin et je vous ai dit aux alentours de 9h. Donc, 9h30, techniquement, je suis toujours aux alentours de 9h. Mais en fait, ce matin, j'avais mis le réveil à 8h. Et je me suis levée, c'était 7h30 vers là. Ben, j'arrivais plus à dormir. Et je vous avais dit qu'il fallait que je fasse un montage pour la danse avant le stream. Donc le montage, je l'ai fini, c'était 8h15, un truc comme ça. Et en fait, le temps ici, d'un coup, donc 8h15, je me suis dit, putain, trop bien. Non, patin, sois poli, le fille. Trop bien, je peux recommencer le stream à 9h et tout, normalement, ça va. Sauf qu'il fallait que j'aille faire 4 courses. Et j'ai ma conseillère à l'emploi, elle voulait que... ça fait une semaine, la pauvre, elle me demande mon contrat. Donc je me suis enfin motivée pour lui envoyer mon contrat, en sachant que... autant dans 3 jours je vais la contacter en lui disant non mais là ça va pas en fait je vais pas rester ou sinon je vais la contacter en lui disant non mais en fait là ça va pas ils m'ont viré je sais pas encore enfin bref du coup j'ai envoyé mon contrat donc j'ai perdu encore du temps le temps de le scanner patin couffin patin bretzel je connais donc après le temps de me préparer je suis partie en cours c'était 9h moins 10. Donc c'est à côté, pour gagner du temps, j'y suis allée en voiture, hein, j'avoue, c'est pas bien. Albis, tu te passes par là. Pardon! Donc j'ai été vite fait faire 4 courses, mais après le temps de rentrer, de ranger les courses, de sortir le chien, de ranger le chien, etc. etc. Ben, le temps, il s'est propulsé et j'ai déclaré. J'ai lancé le stream à 20. Le temps de faire 4 conneries encore derrière et me voici à 9h30 devant vous, prête à jouer. Le stream, je pense que je vais le couper vers 13h. Ça me laisse 1h30 derrière, ouais, ça devrait le faire. Parce que ouais, je commence à 3h, c'est ça. Je vais vérifier. Comme ça, au moins, vous savez un peu... Je vous balance pas d'un coup. Ah, mais putain, faut que je parte et tout. Ouais, c'est ça, je fais 15h-20h, faut que je parte à 2h30. Ouais, 1h30. D'habitude, le matin, je mets 1h, donc ça devrait le faire. En sachant qu'il faut que je mange un bout, mais. Je serai plus réveillée que le matin, donc ça va le faire. Et une dernière petite chose avant de lancer le jeu, c'est que aujourd'hui, vous n'allez pas entendre Monsieur Albi. J'allais dire son nom de famille. Non, mais tais-toi. Vous n'allez pas entendre Monsieur Albi crier, étant donné qu'il travaille, donc je suis seule dans ma maison. Chose qui n'est pas arrivée, je vous avoue, depuis un petit moment déjà. Mais nous sommes seuls. Avec nous-mêmes. Le seul bruit que vous risquez d'entendre, c'est un chien qui aboie, parce que ben, mon chien, il est quand même là, et selon ce qui se passe à l'extérieur, il risque d'aboyer un petit peu. Et du coup, chose que je faisais régulièrement, donc ceux qui étaient là déjà avant. Il y a cette grande pause où Albi criait le matin. vous savez que je stream quand je suis seule à la maison, je stream la porte de mon bureau ouvert. J'allais dire de ma chambre, mais non, c'est pas une chambre, il n'y a pas de lit. Je regarde, non, des vélos, un bureau, non, il n'y a pas de lit. Donc, je stream la porte du bureau ouverte. Donc, mon chien risque de venir nous faire un petit coucou. Donc, ben, on aime bien le petit sien, donc ben, on lui fera coucou, Rousseau! Si jamais il arrive.
Et là, vu que j'ai mis son prénom, le temps il va arriver, mais peut-être qu'il dort. Je l'entends pas bouger, donc ça va. Donc voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai là? Bah, en fait, j'ai mon doigt, il s'est un petit peu infecté, donc du coup j'ai mis de la bétadine, j'ai super mal. Et ça me permet d'avoir un petit peu moins mal cette petite poupée. Je sais pas comment je vais faire cet après-midi, si je garde la poupée, je mets un gant, je sais pas trop, je vais voir. Je vais voir comment je me sens à la fin du stream, j'enlèverai la poupée et je verrai comment je me sens si jamais il faut que je garde cette petite poupée pour travailler cet après ou pas. Donc voilà, écoutez, hein, trêve de blablatage, de bavardage, on s'en tape le cul par terre de ce que tu racontes, Luffy. Nous, on veut voir du jeu. Alors voilà. Attendez, je suis pas sur bon écran. Voilà. Donc, je sais plus où on en est. Parce que la dernière fois que j'ai joué Sunday. Pourquoi Sunday? Le 2 avril. Oui, la dernière fois que j'ai joué, je suis à 56 heures de jeu. La dernière fois que j'ai joué, c'était dimanche soir. C'était il y a plus d'une semaine. C'est ça me revient. Et on a fait quoi lundi dernier? J'ai fait des Sims, mais non, j'ai pas fait de Sims et j'ai pas fait de Disney. Oh, je sais plus. Alors, on va regarder un petit peu nos quêtes et tout, savoir un peu où on en est. Ah, on a une nouvelle, on a la dernière épreuve qui nous attend, je crois. Alors, ça c'est les demi-guises, ça c'est la quête buggé. On pourrait faire ça, on peut les faire comme ça, en partant du bas en remontant. Ouais. Mais je crois que j'arrive à la fin de la quête principale, bientôt se préparer pour vos bus et la fin de l'année. Et puis de toute manière, c'est la dernière épreuve que je vais faire. Donc, qui se ressemble, ça semble, on va faire ça, écoutez. Hop. Hop. Il me reste 40% du jeu à faire. Ouais, parce qu'après, il me reste pas mal de petits trucs. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Ou pas. Alors, il fait nuit. Attends. Ben. J'ai fait suivre la quête. Ah, mais peut-être que j'étais déjà dessus, que j'ai déjà désélectionné du coup. Attends. Ouais, j'étais déjà dessus en fait. Ben, il faut qu'on sorte de Poudlard déjà, hein, pour commencer. Commençons par le commencement. Et pile à la limite. Hein. J'espère ne pas avoir le tentacule de Kraken qui va sortir. J'aime pas ça. Bon, après, vous en avez l'habitude, je dis tout le temps. Mais c'est parce que j'aime pas. Jericho, c'est une bête ça, je crois. Je sais plus. Je ne me rappelle pas. Putain, il y a plein de triangles rouges là. Hein. C'est la fête des méchants. Je m'en ai éclairé. Ça m'agnon, les petits semains sont éclairés.
Voilà. C'est chaud tous les triangles. Je sais pas c'était quoi, hein. Mais ils sont là en tout cas. Ils sont présents. Ah putain! Pardon. C'est chiant quand ça fait ça. Moi, je m'éloigne. Hein. Bon, bah, on va continuer à pied, hein. C'est chiant. En fait, faut que j'aille en bas. Bon, mais écoutez, les triangles, ils n'étaient pas très effrayants. Non, mais me dis pas qu'il commence à faire jour. Je suis passée plein de fois là. Les deux derniers strips, je suis passée par là. Désolée. C'est chiant. C'est con que je peux pas y aller en volant. Je perds du temps, c'est un truc de malade. Tu. Il fait jour. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté cette chanson.
purée, c'est chiant qu'il fait chaud. Pourquoi tu vibres la manette? Putain, j'ai cru qu'il y avait écrit Côte Ouest, j'allais chanter, mais non, pas du tout. C'est beau, hein? Je crois qu'il y avait un truc qui me suivait. J'ai perdu la boule complet là. Regardez, une poule sur un mur qui picorait du pain dur. C'est trop beau en revanche, le lever du soleil. Attendez, attendez. On va aller faire ça là, c'est quoi? Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sortilèges. Si tu ne sors pas, c'est moi qui viens te chercher. Salut! Comment ça va? C'est moi! Je suis revenue, je sais pas depuis combien de temps ça a coupé. J'ai des fourmis dans les jambes, j'ai mal. J'étais tellement concentrée à courser l'autre que du coup j'ai pas fait gaffe. Attends. Seize minutes? Non. 27 minutes. Putain, mais en fait ça fait un moment que ça a coupé. Pourquoi ça me l'a pas dit? Oh la merde! Alors attends, hop. Du coup, j'étais en train moi de courser le Jericho là. Attends. Non, pas du tout. J'ai perdu le Jericho qui m'intéresse. Non. Ça fait nuit. Ce doit être le repère de Jericho dont Miss Moffett m'a parlé. Où est Guinera? Je ne
ne sais pas, ça me gave. Je vais finir, je vais lui faire mal. C'est ça. Elle est où? Non. Non plus. En plus, il commence à faire jour, là. Attends, je vais remettre la nuit. T'aider. Ah ben patin de bretzel de merde. Je l'ai eu. Je crois que c'est bien Miss Moffett. Ah oh, purée, m'a gavé hein, Gwynaira là. Hein. Vas-y, attends. Non, déjà, on va faire ça. Voilà.
Suivi une table d'astrologie. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Voilà. Ben, ça va pas être évident. Attends. Ça y est. Je l'ai eu. Je m'attendais pas à un gros troll en fait. Mince. Il est où? Il est là. Méchant pas beau. Presque. Je sais plus comment on fait. Ah oui, comme ça. Repose en paix, mon grand ami. Révélio. Voilà, c'est là que je veux aller. C'est une erreur. Ou pas. C'est pas d'erreur. Salut.
Et ça, on est méchant. Ah là, il y a un méchant. Ça dit pas toi la loyale et ça se cache. C'est que ce sont pas loyales. Comment je monte là-haut? Ça, c'est quoi les deux trucs rouges dans l'eau? Ça doit être des fangeux là. Alors, c'est par où mon chemin? Ok. Après, je suis au bord de l'eau, c'est logique qu'il y ait beaucoup de fangeux. En fait, on m'a vu. Bonjour, que proposez-vous à la vente? Bien sûr, je suis Rohan Prakash. Bienvenue dans la plus vieille boutique de la région. Vraiment? Depuis combien d'années exercez-vous? Eh bien, j'exerce depuis peu, mais mon père a tenu la boutique de longues années avant de tomber malade. Le pauvre! Oh, quel dommage. Je suis désolée pour votre père. Oh, il est toujours là. Il aimerait être à mes côtés. Mais jusqu'à ce qu'il se remette, je tiendrai avec plaisir la boutique à sa place. Mais pour l'instant, parlons de votre sécurité. J'imagine que la révolte des gobelins, les mages noirs, voire même les fangeux, vous inquiète autant que nous tous. Pas du tout. Bien, dans notre boutique, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous protéger de tout ça. Allez-y, faites le tour et revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci, monsieur Prakash. Bonne chance à vous et à votre père. Je vous remercie sincèrement. Je dois y aller. Merci. De rien. Salut! Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a là? Attends. Dans une épreuve de Merlin, pas très loin d'ici. Hein. Parce qu'il y a le trou pour la boule. Fais voir la carte. Je suis la carte, je suis la carte. Et ouais, là. Là, il y a la boule. Là, il y a le trou. Elle est où? Je me demande qui veut des lions. Belle est là. Et coucou Karma, comment ça va? Donc, alors, attends. Là, il y a la bombe. Ah, je sais plus où c'est. J'ai pas eu le temps de passer. Mais c'est pas grave. Moi, ça va très bien, merci. Attends, j'ai perdu le trou. La boule est là. Non, ça va pas le boulot. À mon avis, ils vont mettre fin à ma période d'essai dans pas longtemps. Ben après, c'est juste que c'est la. En fait, les gens, ils m'intègrent pas. Les vendeuses, surtout. Elles ne me calculent pas, elles me parlent pas. Trop chiant. Mais vas-y, bouge la boule là. Ah ben je trouverai autre chose, hein. Là, j'ai une proposition pour travailler dans l'éducation nationale, mais en termes de salaire et tout, c'est pas très intéressant. Le boulot en lui-même, j'aime bien. C'est pour faire AESH. Mais le problème, c'est que c'est un contrat de 24 heures, 850 euros net par mois. Et c'est CDD. C'est un CDD de 3 ans. Renouvelable une fois et au bout de 6 ans, possibilité de signer un CDI. Ah oh, putain, j'aime pas l'eau. Allez, viens. Ben après le. Putain, je suis en train de la renvoyer. Pourquoi elle bouge pas? Mais ouais, et l'autre inconvénient, c'est qu'il y a. Oui,
aucune possibilité de faire 2 heures sup. Attends, il est où déjà le trou? Je me rappelle plus. Il est juste là. Voilà. Ouais, je joue avec la bouche. Donc ouais, du coup, je suis en train de commencer un peu à regarder des annonces et tout. Parce que ça s'est tout gâté la semaine dernière. Et par où je dois aller? Et du coup, il n'y avait pas la chef qui était là. La chef, elle revient aujourd'hui. Donc, putain, faut que je traverse ça. Donc, du coup, quand la chef, soit elle va mettre fin à ma période d'essai, soit à la fin de la période d'essai, ils vont me dire on vous garde pas. Mais à mon avis, ça va être compromis. On verra, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Croise les doigts, c'est gentil. Dieu va mourir. T'es à quel niveau maintenant? Je sais plus. J'ai pas beaucoup avancé, hein. 31. Et là, depuis ce matin, j'ai fait 1% du jeu. Alors là, il va y avoir un truc de magie ancienne. Mais il y a encore plein de méchants aussi. Ah ouais, quand même. Ben là, moi, je pourrais pas faire 10% aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce que je travaille à 15h. Il faut que je me prépare et tout. Bon courage, c'est gentil. Vous arrivez à entrer là-dedans?
Ah. Bon ben voilà, il n'y a plus personne. Ranrock vous a tous trompé. Donc, purée, c'est niveau 3. Je peux pas rentrer dedans. Ah, ça va, j'arrive à goupiller le bordel. Attends. Je peux pas rentrer. Ah, calme-toi. Va falloir à un moment donné. Ben, en fait, c'est qu'il y a une porte, mais. Mais serrure niveau 3. Là, il y a un truc. Ah, mais zut, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, je peux pas passer par la porte. Et le toit, il est fermé. Je crois que je vais revenir. Faut que je me motive en fait, fais voir. J'en ai 8. Il me manque 5. Il y a quelqu'un. Ah, il est là-bas, le troll. Attends. Il y avait un troll. Ma foi.
Ma foi. Allez, on va là-bas. Youpla! Attends, on se calme. On se calme, mais pas tant de bretzel de merde. Voilà. Miss Moffett, j'ai attrapé Guinéra. C'est incroyable. Elle vous a donné du foulard. Elle était Elle n'a chiante. pas été facile à pister, mais j'ai fini par y arriver. Je veux bien vous croire. Eh bien, je peux la récupérer? Eh oui, mais je sais, purée. Il faut que je m'actualise à Pôle emploi, mais j'ai toujours pas ma fiche de paye. Bien sûr. Oh, vous êtes trop aimable. Son plumage est sublime. Oh, je vais fabriquer de superbes tenues avec ses plumes. Et je lui offrirai une belle vie, bien sûr. Je vous suis reconnaissante de m'avoir ramené Guinéra. Je vais la protéger et éviter de trop utiliser ses plumes. Ouais, ça y est, j'ai fait. Et y a les modes du lapin qui rit aussi. C'est vrai, quand je l'ai fait, du coup, je t'avais Est-ce pas vu. possible une épreuve de Merlin? Oh, il y a un gang de Fangieux là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut y aller en sautant. Raté. Est-ce qu'il faut faire dans l'autre sens? Ah, mais je m'en fous de ça en fait. Pas du tout. Oh, mais ça va être la misère! Je le fais. Non, faut que j'arrête de. Ah putain. Sors de l'eau. Non, c'est de là, hein. Mais. Ouais. C'est de ce côté, mais ça va être tendax, ça. Ok.
Ah oh, putain. Ça n'a pas pris. C'est chaud. C'est canon, en tout cas. Oh. Ok. Putain! Elle est dure celle-là. Ça va me gaver. En plus, je suis bloquée dans l'eau là. Vas-y, sors de là. Ah putain, j'aime pas l'eau. Plus là-bas, j'ai un troupeau de fangeux. Mais pourtant, j'ai l'impression que je suis au bout. C'est bon. Mince. Je voulais me mettre juste au bord. Ok. Non. Ouais, ça a pas marché. Ben, j'ai marché, je me suis arrêtée et tout au bout. Attends, j'ai mal à la main. Nya Mince, j'ai oublié d'appuyer sur sauter. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Me suis encore coincé dans la pierre en plus. Il est beau l'arbre en haut. Qui c'est qui m'appelle? Non, Marseille. Ah, mais je crois que c'est la dame pour le truc dans l'éducation nationale. Bon, tant pis. Mais attends.
comprends pas. Appuie dessus, tu vas marcher. Ben, quand j'appuie dessus, ça fait rien. Attends. Non, ça change rien quand j'appuie dessus. Fais voir. Tu presses sur le milieu. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien fait. Attendez, je regarde juste. Ouais, c'est ça, c'était la dame de l'éducation nationale. Mais en fait, c'est 850 euros que ça fout les boules. Ben non, tu vois. Ah si, appuyer, sprinter, mais attends. Mais tu vois, quand j'appuie, ça change rien. Là, j'appuie une fois dessus. Je cours. Là, je cours. Je marche pas, on est d'accord. Et là, j'appuie dessus. Et je cours quand même. Et si je reste appuyée, je cours quand même. Trop bizarre. Ben ouais. Bon, je crois que j'y reviendrai parce que c'est en train de me saouler. C'est en train de me gaver là. Alors, je vais continuer de me promener. Bon, là, c'est le club des Fangieux. Waouh! J'ai vu un dragon! C'était canon, hein? C'était beau! Je l'avais jamais vu, j'avais vu un screen, il y a un type, un français, son screen il a été repris partout dans le monde. Il a réussi à faire une capture d'écran. En fait, il a eu le truc du Kraken qui est sorti en même temps qu'il a le dragon qui est passé.
Va y avoir du combat. Qui a réussi à faire le quartier grave, le Kraken dans le lac? Attends, sur une. Je crois que c'est celle-là que j'ai vue. De capture d'écran. Mince. Mais si, t'inquiète, je m'y attelle. Mince. Mince. C'est du moonwalk. Mince. Allez, on est presque là. Ok. Le braconnage, c'est fini pour toi. Le braconnage, c'est mal. Rébellion. Encore là, hop là. Allez. Qu'avons-nous par ici? Hop. Non, c'est derrière. Mais je crois que c'est des œufs de machin. Ok. Ouais, c'est ce qui me semblait. Vas-y, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Voilà. Alors, il me semblait. Connaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, on a la boule qui est là. Où est le trou?
Ah, il est là-haut. Ça va être la misère. Parce que du coup, là, je peux pas monter si j'ai glissé. Exact. Donc, il doit y avoir moyen de faire le tour par là-bas. Attends. Non. Mais comment je fais? Je sais pas du tout comment faire. Peut-être par là. Mais là, je vais me retrouver bloqué. Et elles sont dures les épreuves de Merlin ici. Comment je fais? Je peux faire du Legardum Leviosa en étant sur mon balai? Non. Ben merde alors. T'as réussi à la faire toi celle-là, Karma? Je sais pas comment faire. Ben en fait, c'est là j'ai l'épreuve de Merlin qui est là. Donc le truc. Là il y a la boule. Et en fait, le truc, le trou, il est là-haut. Le trou, il est là. Sauf que je peux pas y accéder par ailleurs que là. Et là, la pente, elle est comme ça.
Mais comment t'as fait? Parce que là, je vois pas du tout. Là, je peux pas monter. Je sais pas comment faire. Elles sont dures, les épreuves de Merlin ici, hein? Mais du coup, pas par là. Pas par le chemin que tu arrives là. Parce que là, il y a un chemin. Et ouais, mais comment je vais par en haut? Oui. Ah, par là? Putain, faut pas lâcher la boule, hein. Sinon, elle dévale tout jusqu'en bas. Ah, il y a des hippogriffes. C'est par là, là. Là, si je la lâche, eh ben, patin de bretzel de merde. Mais je pense que c'est ça hein, qu'il fallait faire. Hein. Il fallait faire le tour. Hein. Te m'emmerde. Ouais, c'était pas si compliqué. J'ai fait le tour du monde là pour aller la poser. Merci, mais merci à toi surtout de m'avoir aidé parce que je crois que je serais restée pendant 10 ans. En fait, j'avais vu le premier chemin. J'avais pas vu le second. J'avais pas vu qu'après il partait à droite. Parce que là j'avais vu. Mais j'avais pas vu qu'après il repartait comme ça en fait. De là. C'est ça que j'avais pas vu. Ça, il y a les reflets des trucs.
Dans l'eau, je me demandais ce que c'était comme bestiole. J'ai fait toutes les plateformes d'atterrissage ou il y en a encore d'autres? Attends. C'est dans quoi déjà? Je crois que c'est là, je sais plus. Mais non, je fais nappe. Ah non, il y en a encore plein, ouais. Mais voilà. J'ai avancé un peu dans l'exploration quand même. Ouais, je me félicite. Hop. Ah, c'est l'arbre que je voyais quand j'étais à l'épreuve de Merlin que j'ai pas réussi à faire. Non. Non, parce que le truc a toujours bugué en fait. Mince. Ça s'est toujours pas débugué en fait. Donc du coup, je peux pas la faire. Toujours pas. Ouais, c'est trop chiant. Ben en fait, j'en ai discuté avec des gens sur le groupe Facebook. Et ceux qui ont écrit, donc je suis pas la seule à avoir ce bug, ceux qui ont écrit au support, le support leur a dit de les a renvoyés vers les forums, et les forums n'ont pas de solution. Ouais, donc du coup pour l'instant je laisse courir. Et à la fin, quand il me restera que ça, à ce moment-là, je m'acharnerai à les contacter jusqu'à ce qu'ils me débloquent le bordel. Ok, le deuxième, j'ai vu qu'il était là. Mais. Là, il y a l'autre. Attends, on va faire comme ça. Non, c'est pas ça. Les pioupiottes. Ben des fois ils sont un peu loin quand même. Regarde genre là. Regarde où ils sont.
Ah ben j'ai trouvé les troisièmes. J'ai trouvé tout le monde. Le problème c'est que je sais pas comment les ramener à bon port. C'est bon. C'est la famille. Alors là, on a éclairé. Après le deuxième, il est vers là-bas, je crois. Là. Et le troisième, il est où? Il doit être par là. Ouais, il est là. En général, ils sont autour de la truc. Merlin a l'air de quoi Merci. être fier. Celles-là, je les aime bien, elles sont faciles. Bim bam boum. Je profite d'être de ce côté pour explorer. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ouh, là, il y a du béchant. Là, j'ai déjà fait. Être dangereux si je ne fais pas attention. Alors, il y en a un qui est juste là. Il y en a un qui est là-haut. Et le troisième. Il est là. Mais je voudrais, parce que j'ai vu qu'il y avait une coffre là-haut. Ok. De où je peux me mettre pour réussir à pointer les trois? Oh, ça va être tant d'axes, hein. Parce que genre si je me mets là, je suis trop loin pour celui qui est là-bas. Mais j'arrive à choper les deux. Là, là. Je devrais regarder ça de plus près. Là, on est bon. Là, on n'est pas bon. Et là, carrément, celui-là, je le vois pas.
Là, c'est bon. Non. J'ai bougé. Oh. The playmaker. Merci. En revanche. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Alors attendez, 2 secondes, je vais vite faire pipi parce que depuis tout à l'heure j'en peux plus. Hein. Donc, hop. Je reviens tout de suite, hein. J'en ai pas pour longtemps. J'ai une idée des lapins qui dansent. Mais oui. Mais j'aimerais beaucoup des lapins qui dansent. Mais je pense que le jour où je veux faire des lapins qui dansent, je vais voir avec avec Lou. Ah zut. Mince, attends. J'ai oublié de remettre ça. Hop là, voilà. Je verrai avec Lou, je pense, pour ça. Ça fait très Walking Dead, les bruits. Hein. À travers le mur. Alors elle est où? Elle est partie où? Attends. X. Allô Mora. Allô Mora. Voilà. Badi boum. Ben, je crois que c'était là.
Ça n'a pas été trop dur. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et coucou Nini Rose, ça va bien et toi? Pas trop longtemps, ça marche. Merci beaucoup pour le lurk. Voilà. C'est beau d'empêche ici, hein. Mince. Hop. Je m'en alors je vais faire mon ménage. Ça marche, Karma. Merci beaucoup pour le lurk. Bon ménage à toi. Si tu as besoin, tu cries. Ça marche. Allô, Moura. Il en est où mon inventaire là? Ça va, j'ai encore de la place. Et je voudrais voir. Alors attends, c'est là. C'est là. Ah, il en manque encore 10. Tant pis! Il doit y avoir des trucs vers les machins. Par là-bas, je pense. Bombarda.
Mais non, je confonds les deux. Voilà. Je vais activer la cheminette, mais je la trouve pas. Pile dessus là. Là-haut. Bah non, c'est les œufs de machin. Bon, on va retourner voir. Ah, ma soeur et une amie, elle m'a dit qu'elle avait hâte de suivre. Oh, c'est gentil! Merci. Alors attends. Bon. Ouais. C'est fermé, il n'y a pas de soucis. Ça arrive. Attendez, il y a un truc. Avec un peu de chance, ouais, te faire monter. Sûr qu'elle peut s'abonner avec Prime. C'est trop gentil! Oh! Qu'est-ce que c'est ce bâtard? Ça pourrait être intéressant de voir où elle mène. Monsieur Bruce Ring, j'entends les Enfiri invoqués par Tana se rapprocher, travailler pour Gringotts en tant que conjuratrice de mauvais sort, fut un honneur. J'aurais dû me douter qu'on ne pouvait se fier à Tana, il s'agissait de ma partenaire après tout. J'espère que vous me pardonnerez cette erreur, dites à ma famille que j'ai trouvé la mort au combat. Oh, c'est triste! Mais moi, les cartes, je comprends rien.
mais ils sont combien? Mais foutez-moi la paix! Je suis touchée. Quand tu crois qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Ok. J'ai encore deux triangles là. Apparaître là. Je me demande qui vivait. Alors ça. Là, là-bas, il y a un coffre. D'accord. Ok. Ah ben là, je peux pas l'ouvrir. Un jour, faut vraiment que je me préoccupe de ces demi-quises. Hein. Et ouais, du coup, je peux pas aller plus loin en fait. En fait, faut falloir que je revienne. Je me demande s'il y a des trucs. Non, il n'y a rien dans le labyrinthe. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Ah ben oui, ça c'est sûr. Hein. Ça m'intrigue. Ok. Rébellion. C'est joli en tout cas. Moi, je suis en train de partir à me perdre là-dedans. C'est pas la meilleure idée que je puisse avoir.
Ok. Mince. Ah, je peux pas. Ah, je suis obligée de passer par... Oh, fait chier, je suis obligée d'aller me perdre dans le bordel. Moi et mon sens de l'orientation, vous vous doutez, je vais rester 1000 ans la vie, quoi, c'est là-dedans. Là, je vais jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. C'est là. M'attendez à la sortie, ces enfoirés. Alors, en revanche... Je crois qu'il y a encore un truc de l'autre côté. Ben non, c'est là où j'étais. Si, dedans là. Ah, je peux pas monter. L'endroit a été abandonné. Là, je peux. Alors, attends. Par là, là. Ah mais oui. Je sais pas si j'ai eu la meilleure idée du siècle ou pas. Peut-être pas. Ouais, un truc, mais je peux pas y aller. Oh, les bugs. Ben en fait, il y a une porte avec une serrure. Je sais plus où, mais je peux pas l'ouvrir. Attends. C'est où déjà? Là. Oui, non, là, j'y suis rentrée. En fait, non, j'y suis rentrée. Mais il n'y a rien d'intéressant. Il y a un crapaud.
Là, c'est le crapaud. Ok. Donc là, il y a quelque chose. Ah! Voilà. Là. Ensuite par là. Attends, faudrait que j'arrive à redescendre, bah allez, voilà. Là-bas. Et là derrière. Ok. Il me reste un truc là. Et là-bas. Attends, comment je vais là? Bon, pas comme ça. Bon, de toute manière, c'est de l'argent. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Quelle heure il est? Midi moins 10. Allez. Et où? Je vais t'avoir, je vais t'avoir. Coffre. Juste là. Et on reprend notre
petit chemin. Groftshire. Alors. Ils sont où? Ok. Oh yeah, attendez. Orange, on s'en fout. Attends, chaque chose en son temps. Il est où l'autre? J'ai pas vu où était partie la magie. Là-haut. Ah putain, pardon. Elle est partie où maintenant? Attends, hop, si je fais ça. Allez là. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir faire. Mais si, t'inquiète, cacahuète. Et donc du coup maintenant on va là. Et
Il a pas fait un pli, hein. Voilà. Sébastien apprendra ça, un serpent cendre. Ah putain, c'est quoi qu'il faut faire déjà avec celle-là de trucs? Attends. OK. Et c'est celle-là. OK. Donc il y en a encore. Mais où? Ah. That is. Il y a un drôle de bruit. Mais arrête de jeter ça! Oh ben vas-y, gaspille, vas-y, gaspille! Ok. Là, c'est bon.
Ben voilà. Ah, alors, voilà, il y avait des trucs là-bas. Squelette de dragon. Il est possible que ce squelette de dragon se trouve ici depuis des années, ou qu'il soit le résultat d'une activité récente des braconniers. Restez sur vos gardes. Je sais ce que cela représente. Moi aussi. C'est la preuve de Merlin. Oh, attendez 2 secondes, il y a Albi qui m'appelle. Celui-là, désolé. Hop. Alors. Là, il y a des fangures. Ok. C'est super beau, hein, au bord de la côte comme ça. Ah. Utile une fois la nuit tombée. Ah, ah parce qu'il fait jour là. Attendez.
Voilà. Ah, j'aime pas les baleines parce que les baleines, ça va dans l'eau. Attends, 2 secondes. Hop. C'est bon. Alors. Attends, on va faire les ballons. Et ensuite, on reviendra dans le village. Ah zut. Excusez-moi, Madame Navarro, Bella Navarro. Que puis-je faire pour vous? Que vendez-vous, Madame Navarro? Des ingrédients de potion, On s'en fout. principalement. Même les choses les plus banales peuvent produire un bon profit. J'imagine que vous étudiez les potions à Poudlard. Oui, avec le professeur Sharp. Alors vous devriez être en mesure d'apprécier mon aventure. Que proposez-vous à la vente? J'ai été Entendu, trop vous êtes vite. qui, mon chou? Mon chou, je suis pas ton chou, Merci hein. pour votre temps, mon chou. Tu es à moi à présent, demi-guise. Trop bien. Allez, là, entrée. Alors, attends. Là. Donc là, si je vais... Dans cette maison, je vais faire ce village et après je vais couper, je pense. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Elle est juste derrière l'épreuve. Rébellion. Ok. Alors, c'est une quoi? Team Lapinou! Ok, il y en a un là. Je vois pas les autres.
Ah, il y en a un là. Il manque le petit. Alors là, il y a la page. Ombre d'arbre géant. Cet arbre magnifique abrite de nombreux beaux trucs, quelques fées et même un augurier ou deux. D'après les rumeurs, il est très apprécié pour son ombre. Ah, il est là le petit. Petit, il est où? Je l'ai perdu. Il est là. Ce n'était pas si C'est compliqué bon. finalement, Merlin. Ok. Ça, c'est fait. Alors ensuite. Allô, Mora. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Non. Je suis pas forcément d'accord. Deuxième coffre. Hop. Ensuite. On va aller. Alors, il y en a un dans la maison là-haut et dans la maison là. Ok. Et donc ici, nous devrions avoir un dernier coffre. Faut que j'active la cheminette aussi. Là. Parce que du coup, si je fais ça, ça. 4-1-1. Eh ouais, trop bien. Tu t'en sors? Ouais, j'ai fouillé un village. Là, il y a ça. Hop. Mais là, je vais pas tarder à quitter. Je finis de faire ce village. Après, je vais prendre la. Trop bien la marelle. La cheminette pour aller. D'ailleurs, elle est où? Faut que je l'active.
celle d'ici, pour aller à Préaulard. Oh, là, il y a plein de trucs dans cette maison. Et après, à Préaulard, je vais vendre mon inventaire. Et je vais arrêter là, je pense. Coffre dehors. Et il y en a encore un à l'étage. Tchou 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 tchou. Voilà. Après, ça va, j'ai fait 4% quand même aujourd'hui. Ah, il y a un coffre dehors, j'ai dit. Sur le côté là, je crois. GG, merci! En plus, cette petite émote qui est trop mignonnette. Ah, il y a une dame qu'il faut que je parle en haut. En fait, non, c'est pas là. Attends. Tout va bien, madame? Olivier, madame Olivier. Et non, tout ne va pas bien. Ces vauriens de serpents cendres ont envahi les alentours du château de Salgat. En plus de troubler notre tranquillité, ils perturbent nos activités commerciales. Alors qu'ils semblaient enfin sur le point de s'en aller, voilà que Sylvanus Selwyn a débarqué. Sylvanus Selwyn? Le chef des vauriens. M'est avis que si quelqu'un se débarrassait de Selwyn, les autres serpents sans. J'ai débranché mon casque. Selwyn est un sorcier doué. Je ne suis pas en mesure de m'en occuper moi-même. Croyez-moi, j'aimerais en être capable. Je ne sais plus quoi faire. Qui est Sylvanus Selwyn? Je pensais que Victor Rockwood était à la tête des serpents cendres. Selwyn est l'un des seconds de Rockwood. Il n'est pas aussi terrifiant que Théophilus Harlow, mais il n'en reste pas moins une menace. Où est le château de Salgat? Le château de Salgat se trouve près de la côte sud. Prenez la direction du sud-ouest. Pourquoi les serpents cendres sont-ils si dangereux? Ce ne sont pas de simples escrocs, ni de simples brigands, qui eux-mêmes sont déjà bien nuisibles. Ils n'arrêtent pas de tourmenter la pauvre Bella Navarro. Elle leur a tout donné et pourtant, ils continuent de la menacer. Elle était prête à retourner chez sa famille en Italie. Elle a presque tout perdu. Rien ne les arrête. Je peux m'occuper de Selwyn pour vous. Juste ciel, non, je ne demanderai jamais à une élève d'affronter Selwyn. Mais j'offrirai une jolie récompense à qui l'éliminera. N'hésitez pas à faire passer le mot. J'aimerais seulement que tout rentre dans l'ordre à Crabcroft. J'en ai assez de vivre sous la coupe de Selwyn et de ses comparses. Mais Je crois qu'on va devoir s'occuper de Sylvanus Attends. Selwyn. Faut que j'aille là. Parce que non, je n'ai pas activé la cheminette. C'est bien ce qu'il me pense, ce qu'il me semblait. Voilà. Et ouais, je vais activer la petite cheminette. Et comme ça, après, on va aller à Préaulard. Vider. Non, on va aller à la salle sur demande, analyser nos trucs. Et après, on ira à Préaulard, en fait. Voilà. C'est joli, hein, c'est beau, hein. Ok, alors.
fais n'importe quoi. C'est ça qu'il faut que je fasse. Hop. Voilà. Et ouais, c'est déjà... Mon jeu, il s'est fermé. Enfin, de toute manière, vous voyez mon écran. Patin de bretzel de merde. Non, j'ai pas sauvegardé. Je sais pas quand c'est qu'elle s'est fait la dernière sauvegarde automatique. J'ai les boules là. En plus, je ne restais pas grand chose à faire. La salle sur demande, pré-Ola, et après je coupais quoi. Ça fout trop les nerfs. Je m'étire. En plus, il met 10 ans à s'ouvrir le jeu à chaque fois. Ah, je suis deg. Elle est où ma souris? Attends. Hop. Voilà. Non, voilà pas. Hop. Ok. Bon, ben, on va attendre qu'il redémarre, hein. Purée, les boules, les glandes, les crottes de l'équipante, comme on dit chez moi. Moment de vérité. 12h21. Ah, ça va! Dernière sauvegarde, 12h21. Il est 12h24. Donc, c'est bon. Heureusement que j'ai les sauvegardes auto. Hein. Ouais, il manque juste l'activation de la cheminette. Chou, j'ai de la chance, hein. C'est trop beau. Voilà. Alors. Ok. Non, il y en avait une deuxième là. Voilà. Et comme ça, maintenant, on va faire tac. Préolard. On s'en fout un peu de vos vins. Vas-y, je vais prendre. Là. Non, mais c'est pas ça que je fais. Comme ça, il y a le magasin juste en face. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Je veux vendre. Alors. Je suis blindée d'argent. Ah. Ça, je vais le mettre.
Ça. Je sais pas pourquoi ils sont en noir. Attends, 89, 71. Donc on va regarder ceux-là. Ceux-là, on va les vendre. Quatre-vingt-huit, 87. Ok, voilà. Merci de votre visite. J'espère que vous Ensuite, serez du content. coup, on va faire équipement, accessoires de visage, celui-là. Tac. Non, c'est elle, voilà. Ok. Ça, je les mettrai quand je pourrai. Voilà, du coup. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? On va, hop, vendre ça aussi. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Ouais, moi aussi. Ok, donc là, on est bon. Là, j'ai un point de talent. Excusez-moi, je demande pardon. C'est quoi là qui reste? Ah oui, c'est que je m'en fous en fait de ça. Vas-y, on va prendre un truc là. On va prendre ça. Du coup, collection, on n'a rien. Ah bah, en plus, du coup, que le jeu l'avait planté, ouais, c'est pour ça. Ah, c'est vrai, du coup, il y a ça. Ça. Mais la prochaine fois, on va commencer par ça. La cachette de Selwyn. Voilà! Et 62% quand même. Attendez, j'ai des récompenses à prendre. Ouais, j'ai pas mal de trucs à prendre, hein. Là, j'avais été déjà. On sur 25, 7 sur 16. Et seul sur demande. C'est ce que j'ai le moins d'avancé, seul sur demande. Mais exploration, c'est le truc. J'ai fini mes poussières. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Exploration, c'est le truc que j'avais le plus bas. Et je suis montée à 63% quand même. GG Marcin. Ah, c'est là. Ok.
Et ensuite, j'ai encore là. Voilà, on a tout qui est bon. Sauvegarder, hop. Voilà. Ok, alors. Tac, on repasse là. Du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui, les copains. Comme ça, j'ai le temps de manger, de me poser un peu et tout, là, avant d'aller au travail. Je pars dans 2 heures à peu près. Ouais, c'est ça. Dans 2 heures à peu près. Pensez à moi entre 15h et 20h. Je vais encore souffrir au travail. Je subis. Et en fait, c'est ça qui me gave. C'est de subir le travail. Voilà. Donc, du coup. Mais je pense que je vais commencer à envoyer des candidatures ailleurs. Parce que. Je peux quitter quasiment du jour au lendemain tant que je suis en période d'essai. Donc je pense que je vais commencer à postuler ailleurs en vrai. Ouais, je crois que je vais faire ça. Parce que ça me gave là. Donc écoutez, les pilapinous, on va se quitter là pour aujourd'hui. Moi, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce matin pour continuer d'avancer sur Hogwarts. Demain matin, je vais streamer également. Je vais pouvoir streamer pareil le matin, puisque demain je fais 15-20 comme aujourd'hui. Donc voilà. On va continuer au guard, je pense. Il me semble que c'est ce que j'avais dit hier soir. Je sais plus. Hier après-midi. C'est hier après-midi que j'ai streamé. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, demain on fait du guard, c'est ça. Donc voilà. Moi, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Un très bon appétit. Une bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain matin. Et surtout, comme d'habitude, les petits lapinous, soyez sages. Je ne savais plus ce que je disais. Soyez sages et prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao, les petits lapinous. Des bisous à tous.